ça, c'est profond pour moi. C'est profond pour moi. C'est trop compliqué. Oui. C'est Mali, ce sont des RDA. Le Mali, c'est le RDA. Oui. Le Mali est une fédération. De quel pays? Du Soudan et du Sénégal. Le Mali, c'est un parti politique formé par les leaders africains. C'était un parti qui est formé pour libérer la vie, pour libérer l'Afrique. Le Mali, c'est l'ensemble, c'est le Soudan et le Sénégal, quoi. Est-ce qu'ils sont faits pour s'entendre ensemble? Oui, très bien, alors, ils sont faits pour s'entendre. Il me semble qu'ils peuvent s'entendre quand même. Ah oui, c'est possible. C'est pas sûr? C'est possible, oui. C'est possible. Ouais. Oui, pour le moment, je peux dire que les deux pays peuvent s'entendre dans l'avenir. Je crois qu'ils peuvent s'entendre. Ce n'était pas très convaincant. Alors, pour essayer de nous faire une idée, nous avons gagné Bamako. Bamako, la capitale du Soudan, sur les bords du Niger. Une ville tranquille, de type colonial, avec ses quartiers africains tout proches des larges avenues européennes où circulent plus de bicyclettes que de voitures. Pourquoi Bamako et non pas Dakar? Eh bien parce que c'est effectivement de Bamako, nous avait-on dit, qu'est partie la révolution, le mouvement dynamique pan-africain que voulait être le Mali. Et tout de suite, nous en avons eu la révélation par, je dirais, la couleur administrative du Soudan. Ici, au Soudan, il y a eu vraiment africanisation des cadres. À l'exception d'un seul, tous les commandants de cercle, les préfets si vous préférez, du Soudan, sont des Noirs. Après avoir constaté cela, nous sommes entrés dans cette masure des faubourgs de Bamako. C'est le siège du parti. Une petite maison qui n'a l'air de rien, où on entre comme dans un moulin, où chacun vient raconter sa vie, exposer ses doléances. Mais c'est de là, avec des moyens de fortune, que sont partis tous les mots d'ordre jusqu'au fin fond de la brousse, les mots d'ordre qui ont secoué le Soudan, qui ont fait le Mali. Tant qu'à faire, il fallait aller juger sur place. Alors, nous aussi, nous avons pris la piste en remontant le Niger et nous sommes arrivés près de la frontière de Guinée dans un village, Kangaba, où, au milieu des siens, nous attendait le secrétaire local, Yino Samba. Il y a combien d'habitants dans le district? Il y a 32 000 habitants environ. Et quelle est la proportion de membres du parti? Oh, presque la totalité, 99%. Tous ces villageois qui n'avaient pratiquement jamais fait de politique avant, maintenant sont membres du parti. Membres du parti. Vous ne trouvez pas ça extraordinaire? Ah oui, c'est extraordinaire, mais c'est une réalité. Mais il y avait une opposition avant. Il y avait une opposition. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Avec le dernier échec du parti adverse, c'est-à-dire le PSP, alors le parti progressiste a complètement disparu. Et tous les habitants qui hésitaient et qui étaient de l'autre côté sont venus à l'Union soudanaise. En somme, vous êtes arrivé à un parti unique. Un parti unique, oui. Un parti unique dont le premier souci est d'organiser la jeunesse et de l'utiliser au maximum. Ici, contrairement aux apparences, il s'agit d'un simple stage agricole. Mais ces jeunes, qui tous les matins assistent au garde-à-vous, au lever des couleurs, ces jeunes, une fois terminé le stage, iront en brousse. Et là, ils seront à la fois conseillers agricoles, scribes, infirmiers, instituteurs. Le tableau. Je monte papa et maman. Viens, à ta place. Le parti utilise aussi les jeunes fonctionnaires. Il leur demande de renoncer à leur congé hebdomadaire et d'aller porter la bonne parole en brousse. Les samedis et les dimanches, nous sortons. Dans les villages. Dans les villages. Pour aller faire quoi?
Qu'est-ce que vous allez y faire? Eh bien, nous sortons pour aller secouer les paysans à s'unir pour le travail collectif. En somme, vous êtes les missionnaires laïcs du gouvernement auprès des villageois, c'est bien ça? Oui. Et alors, comment est-ce qu'ils réagissent? Quand vous arrivez, comment est-ce qu'ils vous accueillent? Au cours de nos sorties, nous avons un très bon accueil chez les villageois. Ils sont très enthousiasmés de nous recevoir à toutes les sorties. Et nous sommes sûrs que le programme que nous leur donnons sera entièrement satisfait. Et c'est ainsi que la nuit venue, nous avons assisté à un spectacle étonnant. Au milieu de la place, devant un feu de camp, ces jeunes propagandistes expliquaient aux paysans ce qu'ils devaient faire, comment ils devaient répondre au mot d'ordre du parti. C'était au fond de la brousse le monde renversé, des vieillards qui remerciaient de tout jeunes gens pour la peine qu'ils avaient prise. Et au matin, après la théorie, la pratique. Tout le village travaillant au son des tam-tams à fabriquer des briques pour construire une maison des jeunes. Après avoir vécu cette expérience soudanaise, il nous fallait encore rendre visite à M. Modibo Keïta, l'inspirateur de ce mouvement, le patron du Soudan. C'est à Dakar que nous l'avons rencontré, au sommet du building du gouvernement fédéral. Il y a 10 ans, vous ne vous attendiez sans doute pas à vous trouver sur cette terrasse et à dominer Dakar. Oui, c'est exact. Et si on me l'avait dit, j'aurais traité mon interlocuteur de lunatique. En somme, c'est le Soudan au Sénégal maintenant. Eh bien, si vous voulez, oui. Le mariage du Soudan, en tout cas, et du Sénégal. Mais il y a quand même pas mal de différences, je crois, entre les deux. Et notamment, il y a quelque chose d'essentiellement militariste dans votre façon d'endoctriner la jeunesse. Pourquoi? Oui, vous savez, le militarisme par lui-même est un stimulant pour des populations qui, pendant longtemps, avaient une vie purement rurale. Nous avons donc militarisé nos jeunes pour pouvoir entraîner les populations dans la perspective de leur mobilisation pour les investissements humains. Oui, mais il faut dire que nous autres Sénégalais, nous avons été ouverts à la politique, bien avant, n'est-ce pas, les Soudanais. C'est un problème. Et que nous ne réagissons pas de la même façon devant les différents problèmes politiques qui se posent. C'est-à-dire, nous sommes plus posés politiquement. Plus posés, oui, sans doute. Et plus divisés aussi. En tout cas, il y a de tout à Dakar, des Européens et des Africains, des chrétiens et des musulmans, d'immenses fortunes et tout autant de misère. Mais c'est sur le plan politique, ce qui nous a le plus frappé, c'est l'indépendance de ceux que nous avons rencontrés. Il est possible qu'en 8 mois, les choses aient changé, mais au moment de notre reportage, il nous a paru évident que les Sénégalais n'étaient en aucune manière embrigadés comme leurs voisins du Soudan. Témoin, c'est Docker. Est-ce que vous, en tant que syndicat UGTAN, s'il y a une nouvelle bagarre, vous accepteriez éventuellement de faire une grève malgré le mot d'ordre du gouvernement du Mali? Ah oui, parce que nous défendons tout simplement les travailleurs. Nous, on n'a pas de parti politique ni une appartenance politique. Nous avons ici uniquement l'intérêt des travailleurs. Des propos de ce genre, nous en avons recueilli à plusieurs reprises. Chez d'autres syndicalistes chrétiens par exemple, et dans des milieux très divers, en ville ou dans les quartiers de la Médina. L'ensemble du Sénégal, à part certains points côtiers, est musulman. Mais ici aussi, une différence avec le Soudan. Au Soudan, le régime a entamé la lutte contre certains chefs de confrérie, les marabouts. Tandis qu'au Sénégal, les marabouts, dont vous voyez certains ici, restent puissants. Et
Ils sont souvent gros propriétaires terriens, propriétaires de ces plantations d'arachides qui sont la richesse essentielle du Sénégal. Ici, bien entendu, il ne s'agissait pas de travail collectif, c'était un travail de salarié sur les terres d'un propriétaire, celui-ci. Mais, au cours de ce reportage, nous avons assisté aussi à un essai de travail collectif, comme au Soudan. Il s'agissait de construire une route. Seulement, le Sénégal, ce n'est pas le Soudan, et ce jour-là, pour rassembler des volontaires, il a fallu des heures de palabre. Encore n'est-ce qu'une poignée de villageois qui a bien voulu monter dans un des camions qui était venu les ramasser. Village où les gens n'avaient pas l'air très emballés. Est-ce que vous trouvez ça normal? Oh non, c'est pas du tout normal. Parce qu'ils ont donné leur parole d'honneur qu'il fallait respecter. Vous leur avez fait donner leur parole? Oui. Et généralement, quand un village collectivement donne sa parole, il la respecte. Ah oui, il doit la respecter. Tout ceci ne signifiant pas, bien sûr, que le Sénégalais renâcle à la peine. Une fois lancé, il y met autant d'ardeur que d'autres. Et il n'hésite pas, par exemple, à remplacer le rouleau compresseur par ses pieds nus pour tasser les coquillages qui servent de pierre. Quand un obstacle gêne le passage de la nouvelle route, eh bien, on supprime l'obstacle. Voilà ce que nous avions vu au Sénégal. Mais enfin, les différences entre les deux pays qui formaient le Mali nous avaient paru assez sensibles pour le faire remarquer au président du Conseil sénégalais lui-même, M. Mamadou Dia. Et voici ce qu'il nous a dit à l'époque. Ce dynamisme du Soudan, son organisation politique, je crois, sera un élément, un facteur positif qui certainement sera de nature justement à même permettre également aux Sénégalais de secouer également leur apathie, n'est-ce pas, dans une certaine mesure. Je crois, d'un autre côté, il est certain que le sens aussi de la démocratie des Sénégalais pourra également constituer un frein à ce que vous appeliez tout à l'heure une tendance nettement marquée au parti unique. Toutes ces images, donc, vous les avez, je pense, déjà vues. C'était il y a 8 mois, en décembre dernier. Depuis, vous savez ce qui s'est passé. Pour M. Mamadou Dia, le frein démocratique dont il me parlait n'a pas suffisamment fonctionné. Pour M. Modibo Keïta, au contraire, il a bloqué la machine. Ce n'est pas à nous de conclure. Nous ne voulions que vous rappeler des faits que les caméras de 5 colonnes ont enregistrés au moment où tout allait bien.